Europe Soir, TV Média. Et bonsoir Eva Rock. Bonsoir Nicolas. Et vous nous parlez ce soir de France Télévisions qui vient d'être épinglée par la Cour des comptes. Et oui, ce sont nos confrères du Canard Enchaîné qui ont dévoilé cette affaire dans leur édition du jour. En fait, ils se sont procurés un pré-rapport confidentiel de la Cour des comptes, édifiant quant à la gestion du groupe audiovisuel public entre 2012 et 2014, c'est-à-dire pendant la présidence de Rémy Fimelin. Alors, à en croire ce document, les règles de publicité et de mise en concurrence pour des achats hors programme n'ont pas été respectées. En fait, pour la seule année 2014, ces achats représentent quand même la coquette somme de 569 millions d'euros hors taxes. Et qu'est-ce qu'on achète avec 579 millions hors taxes ? Des prestations de conseil, de la sous-traitance informatique, des billets dans 8 agences de voyage pour 22 millions d'euros quand même. Hein. Des taxis, des locations de voitures, mais aussi des prestations d'avocats en droit social. Et alors d'ailleurs, en parlant d'avocats, il est fort possible que Rémy Fimelin et son équipe de direction en aient besoin rapidement, parce que ce pré-rapport de la Cour des comptes ne restera sans doute pas dans un tiroir. Toutes les personnes impliquées peuvent se retrouver devant la Cour de discipline budgétaire et financière. En fait, il s'agit d'une juridiction administrative qui peut infliger de lourdes amendes. C'est une procédure qui est extrêmement rare, car la Cour rend en moyenne seulement 5 décisions par an. Dossier à suivre, comme on dit dans notre jargon. À suivre, on suivra évidemment Eva Rock. Et ce soir, si on veut regarder la télévision, qu'est-ce qu'on regarde ? Alors ce soir, sur TF1, à 20h55, vous allez une nouvelle fois, mais une dernière fois, entendre ce générique. Vous savez ce que c'est, Nicolas ? Non, mais vous allez me le dire. Les experts. Ah oui. La série qu'on voit et revoit sur TF1 et tout le groupe TF1. Mais alors attention, c'est un événement puisqu'il s'agit du final de la 15e et dernière saison de la série. Et en fait, c'est une soirée spéciale qui avait déjà été programmée le 22 mars dernier avant d'être annulée au dernier moment. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler. En fait, ce qui est en cause, c'est le scénario de ce double épisode au cours duquel un homme se fait sauter dans un casino et une institutrice dans une école. Or, le 22 mars, le jour où elle avait été programmée, Bruxelles était frappée par un double attentat à l'aéroport et dans le métro. Et donc TF1 avait préféré reporter sa soirée. C'est aujourd'hui. Et par ailleurs, sachez qu'après ce final, la chaîne va diffuser 5 autres épisodes qui ont été choisis par les internautes sur le site de la chaîne. Et après, ce sera fini. Vous aurez bien droit à quelques rediffusions quand même, hein, vous inquiétez pas. Ouf, je sais que vous adorez beaucoup, ça. Merci beaucoup. Eva Rock pour l'info média.